Rexta, donc hier on était le 9 février et Flappy Bears a été supprimé de l'App Store. Donc si vous l'avez supprimé, comme moi je vais faire actuellement, vous allez me prendre pour un malade, mais je vais le faire. Je vais supprimer Flappy Bears, mais c'est pas pour rien, je vais vous montrer comment avoir Flappy Bears maintenant qu'il n'est plus disponible sur l'App Store. Donc des conditions, mais sans évidemment obligé à avoir quoi. Donc les conditions c'est avoir un iPhone. Moi je m'adresse aux utilisateurs iPhone, hein, pas Android. Ouais, iPhone, iPod Touch, iPad, il faut avoir un appareil jailbreaké, donc sur l'iOS 7 ou iOS 6 ça change rien du tout. Donc voilà, il faut avoir un appareil jailbreaké, aller dans CIA et installer quelque chose dans App 5 sur une source, donc je mettrai la source dans la description. Donc la source c'est InsideNelly, alors InsideNelly celle-ci, donc voilà celle-ci, donc elle sera dans la description. Donc une fois que vous avez ajouté cette source App 5. Alors, oui, app 5, voilà, 5, 7, voilà, vous installez app 5 pour iOS 7.0 plus. Donc, si vous êtes sur iOS 7, évidemment, si vous êtes sur iOS 6, vous réinstallez la version iOS 6, voilà. Donc, une fois avoir fait cela, il va falloir installer App Addict. Il faut se rendre sur Safari, marquer App Addict sur la barre de recherche, App Addict, voilà. Donc c'est un installateur d'application. Donc là, vous êtes sur Google, il faut aller sur Slide to Install App. Donc moi, je l'ai déjà installé, mais là, vous allez faire ça, tac. Il va vous demander de l'installer comme une application normale. Une fois que vous l'avez installé, donc il sera sur votre Spring Board. Moi, je vais l'ouvrir directement depuis le Spotlight. App Addict, voilà. Donc vous allez sur App Addict, vous allez dans Top Free ici, Top Free. Voilà, même moi, c'est actuellement, c'est ici. Donc, c'est pas ici, vous allez dans Recherche. Vous allez dans Link et vous téléchargez. Vous avez vraiment plein de choses. Moi, je l'ai déjà téléchargé, mais franchement, c'est hyper facile. Prenez The FeedBay. C'est le meilleur pour moi avec Senspace. Mais là, c'est FeedBay. Vous allez juste attendre 3 secondes et ça télécharge. Hein. Voilà, donc vous comprendrez. Une fois, vous allez dans App Center et là, Download, ça sera fini. Vous allez dans APPS. Et là, vous voyez, il y a Flappy Bears, vous allez juste aller sur Install. Installer et là Flappy Bird va s'installer sur mon iPhone jailbreaké. Donc évidemment jailbreaké c'est bien important, sinon ben, c'est pas possible de l'installer si vous n'êtes pas jailbreaké. Là je peux encore jouer à ce jeu Flappy Bird qui est vraiment quand même un truc qui a été supprimé par le développeur, voilà, puisque il y avait des raisons de copyright aussi, il n'a pas dit, mais ça ressemble un peu à bon, au vieux Mario, quoi, donc on va pas en parler dessus, mais voilà, lui il avait dit que parce qu'il avait plus à gérer, mais c'est aussi pour ça, je pense qu'il a installé par rapport au. Parce que Nintendo, je pense que Nintendo a dû s'énerver par rapport à. Que ça ressemblait vraiment à Mario à l'époque, voilà, sur les vieilles Nintendo, voilà. Donc voilà, c'était Jeff Type pour vous montrer comment ravoir ce jeu Flappy Birds. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et c'est très important à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Direct Style.